Et salut à tous, c'est Deathlord, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le succès de Forza Horizon 4 Fortune Island Raptor contre Kraken. Donc pour ce succès, il y avait avant un glitch qui permettait de le débloquer sans faire la course, en une seconde ou même en mettant que quelques points de contrôle. Je vous annonce tout de suite, cette technique ne fonctionne plus depuis la mise à jour série 7. Ça a été corrigé et maintenant vous êtes obligé de faire le Kraken en entier avec la saline. Donc moi je vous conseille de l'améliorer au niveau partie cycle et moteur principalement, parce que avec celle d'origine ça passe, mais c'est un petit peu plus compliqué. Ensuite vous allez au Kraken, vous reprenez bien la saline S5S Raptor, hein. Après, bon, j'ai pas choisi la solution de facilité, encore une fois. Moi, je vous conseille de le faire en été. Il y aura une meilleure adhérence et ça évitera quelques petits désagréments, quelques petites sorties de route et puis drift non voulu. Voilà, c'est parti. Bon, comme pour Tueur de Léviathan, je vais couper le micro le temps de la course, parce que c'est un petit peu long. Et puis si vous avez la flemme de tout regarder, je vous invite à vous rendre à la fin de la vidéo pour voir mon temps et puis la fin de la vidéo tout simplement. Allez, à tout de suite.
Voilà, on est quasiment à la fin. Donc là, ce virage-là, il est assez important. C'est pas le plus. Hein. Donc là, vous voyez, hein, je suis à autour 5,23. On voit, il reste plus qu'un U à faire. Le plus important, c'est vraiment le dernier virage. Il faut pas vouloir le prendre trop vite, mais il faut le prendre suffisamment rapidement pour éviter de se retrouver hors temps, parce que ça arrive très vite. Hein. Là, ça glisse un petit peu, on accélère à fond. Là, je vais dans les temps. Hein. Temps pour le temps et même pour autour. Et voilà. En première place, j'ai fait 5,46 et 5,51 au total. Donc le succès ne tombe pas, comme pour Tueur de Léviathan. Si ça vous arrive, vous devez redémarrer la console, relancer le jeu. Et si ça ne tombe toujours pas, vous devrez vider le cache de la console. Vous verrez, il y a des tutos sur internet. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu aussi un bug du succès, hein, s'il est tombé ou s'il n'est pas tombé. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un petit pouce bleu pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.